on aperçoit une machine CNC, une MPCNC, ça vient du site V1 Engineering. Donc, c'est une fraiseuse à commande numérique imprimée 3D. Donc, toutes les pièces de plastique sont imprimées 3D. Tout est bien documenté sur le site Internet. Et puis, les tubes en métal sont des tubes de conduit électrique. Et puis, de la façon dont ça fonctionne, ça, c'est une fois assemblé, c'est les courroies ici qu'on aperçoit d'imprimantes 3D qui vont faire déplacer la partie mobile ici, là, qu'on aperçoit. Donc, en X, Y et Z. Puis, c'est un petit routeur de Wald qui va faire le travail. Donc, tout ça, c'est fixé sur un MDF ici qu'on aperçoit. Puis, les fils ici, les faisceaux de câbles des moteurs, se dirigent à un petit contrôleur qui est ici. Et puis, on a X, Y et Z là, qui sont reliés. Donc, il y a un panneau LCD ici de commande que je n'ai pas encore mis en opération. Donc, je l'utilise avec un fil USB. Puis, tout est bien documenté aussi au niveau logiciel. Donc, en ce moment, je viens de la connecter, puis ça fonctionne. Ça fait déjà quelques minutes là, que je m'amuse avec. Donc, on voit le déplacement ici en Y, le déplacement en X, puis le déplacement en Z. Donc là, j'arrive à l'étape suivante qui consiste à introduire un code G pour, soit dessiner ou graver quelque chose.